Thank you. Paul. I'm Doug Paul from the Carnegie Je suis Doug Paul. In Washington. Basé à Washington. I want to thank the organizers for arranging the conference version of the Farewell Symphony of Haydn. One by one, the performers leave before the piece is over. La, musique de Handel, la musique d'adieu de Handel. I want to first pay tribute to Governor Narayanan's insight and wisdom on the big picture of security in China. La sagesse There's a great tradition de Monsieur of Indian diplomats like Shamsian and Shiv Shankar Menon and now Vijay Gokhale in Beijing. That's a very important statement. But I want to ask two somewhat related questions. Alors, throughout the discussion of North Korea, pendant la question no one sur, has mentioned containment or deterrence. Corée du Nord, personne n'a parlé de confinement verifiable ou irreversible d'autres mesures. On a parlé donc de détruire leurs capacités nucléaires, mais il me semble que c'est quelque chose d'assez éloigné. Personne ne veut vraiment avoir recours à la violence. Donc, on parle ici de mesures de démotivation et de confinement. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas en Corée du Nord? Maintenant, si vous allez à la Maison Blanche et si vous posez des questions à personne qui font partie de l'établissement de Trump, ce qu'ils pensent des déclarations de Trump, ils vous répondront que vous n'avez pas remarqué qu'il a forcé la Chine à accroître l'assistance, à arrêter donc d'assister la Corée du Nord, et suite à ces déclarations, il n'y a plus maintenant d'essais nucléaires. Donc vous, comment est-ce que vous répondriez à cette question? Je suis Renaud Girard, je suis le colonniste des affaires étrangères pour le Figaro, quotidien français. Alors, le principal danger en Asie, ce sont les pouvoirs montants de la Chine, et ainsi que les États-Unis. Mais la situation de la péninsule coréenne ne va pas changer. La Chine ne veut pas de la réunification de la Corée. Même en Corée du Sud, je ne pense pas que la jeunesse souhaite une réunification avec la Corée du Nord. Le Japon, je pense, ne dit rien à ce propos. Je pense que le Japon ne veut pas également la réunification de la Corée. Et je pense donc qu'il n'y aura pas de changement. Et on a un dictateur aussi qui ne veut pas se retirer comme Kadhafi ou Saddam Hussein et qui essaie de se protéger. Mais il y a ces deux puissances, donc, à savoir la Chine et le dernier étant donc l'Amérique. J'aimerais savoir quel est exactement le rôle que la Chine a assigné, a confié aux États-Unis dans le Pacifique, en fait. Est-ce que vraiment la Chine est prête à accepter la présence américaine en Asie? Et jusqu'à quel degré? Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais passer la parole aux membres du panel pour répondre. Youssef. Youssef. Alors, le premier, ce n'est pas une question. On payment and deterrence, I would like to leave to the experts of the North, of the Korean Peninsula. But what shall I say to the question? Comment pourrais-je répondre à une personne qui dise que le président Trump a beaucoup fait par le biais de ses déclarations? Comment on peut répondre à ça? Eh bien, ma réponse, c'est que c'est aussi un point d'interrogation. Car ce Kim Jong-un n'est pas fou. Relevant to ask the question
Donc il faut se poser la question si la rhétorique de Trump vraiment va pouvoir confiner la Corée du Nord. Moi, je ne pense pas, vraiment. Mais ce que j'ai noté, c'est que le rôle que voudrait donner la Chine aux États-Unis est basé sur le fait que l'Asie est assez grande pour que les deux puissent coopérer et survivre. Ce qu'ils veulent éviter, c'est l'espionnage le long des côtes, etc. Donc ils sont opposés, bien sûr, à cela. Ils se préparent pour l'éventualité, selon moi, qu'il y aura une confrontation avec les États-Unis un jour ou l'autre. Mais pour le moment, ils savent qu'ils ne sont pas prêts à prendre le dessus. Et il y a encore beaucoup à faire, et il y a beaucoup qu'ils peuvent faire ensemble. Ça, c'est mon observation à partir de l'extérieur par rapport à ce que pense la Chine à l'heure actuelle, par rapport au rôle des États-Unis. Mais Tingo, peut-être que vous pouvez répondre, vous savez beaucoup mieux que moi. La première question... c'est de savoir si les stratégies de confinement peuvent être utilisées. Eh bien, de la part des Américains, oui, ça peut être utilisé, par exemple, en Irak. Il y a un système de défense au milieu du Pacifique pour se protéger. Le problème, cependant, c'est que même... pour les Américains, cela peut leur causer un grand problème, car qu'en est-il de la partie du Pacifique des États-Unis qui ne saurait être protégée par un système de antimissiles ? Et qu'en est-il également des alliances, des alliés des Amériques, de la Corée du Sud, du Japon, qui ne vont pas accepter cela ? Car ils n'ont pas vraiment la capacité de faire cela. La Chine, bien sûr, n'est pas contente, car elle est proche de la Corée du Sud. Il n'y a pas donc de système antimissile qui peut protéger la Chine. Il y a un autre problème en plan plus grave, c'est la prolifération de ce régime. Enfin, le régime de non-prolifération va échouer. Donc c'est un grand problème pour chacun d'entre nous. La politique de Trump pour inciter, visant à inciter la Chine à revoir sa position est en train de fonctionner. Et la rhétorique de en Corée du Nord a changé. En Corée du Sud a changé, et en Chine aussi, par rapport à l'aide que l'on doit octroyer à la Corée du Nord. Et donc, étant donné cette situation, il n'est pas surprenant de constater que la Chine répond aux pressions exercées par Trump. Aussi, vous avez demandé quel est le rôle des États-Unis dans cette région. Quel est le rôle idéal des États-Unis pour la Chine? Je ne sais pas vraiment. Mais la Chine, donc, se développe énormément
Et il est difficile pour la Chine de définir ses intérêts. C'est un pays développé et un pays en développement en même temps. C'est un pays riche et pauvre en même temps. C'est un pays fort et faible en même temps. C'est un pays ordinaire et un super pouvoir en même temps. Donc, c'est tout un conflit et il est difficile donc pour la Chine de savoir vraiment ce qu'elle veut à ce moment de la transition. Ceci, dans une certaine mesure, affecte son idée par rapport au rôle que devraient jouer les États-Unis dans cette partie du monde. Parfois, on voudrait que les États-Unis restent pour jouer un rôle plus important, notamment quand il s'agit de s'assurer que le Japon ne va pas se remilitariser. Et pour assurer l'ordre sécuritaire dans la région. Mais parfois, nous pensons que la présence américaine est insensée. L'armée américaine essaye d'empêcher la Chine de faire ceci ou cela, menace même parfois la Chine. Donc, je ne sais pas vraiment, mais la Chine aussi se trouve exclue et se sent exclue de ces alliances militaires. Donc, c'est l'autre partie. Pour eux, les États-Unis, c'est un autre parti, ce qui aliène davantage la Chine. Donc, cela va prendre du temps pour que la Chine puisse développer davantage, enfin une idée plus claire par rapport au rôle que pourraient jouer les États-Unis dans la région. Je m'arrêterai ici. Bien. I think officers, you know, retreated and the poor soldiers. Standing in the front, I mean. Alors nous avons les soldats, bien sûr. Enfin. Difficult questions, but. Nous sommes les soldats qui restent ici pour répondre à ces questions combien like difficiles. Doug Paul, cependant, j'ai beaucoup apprécié la question de Doug Paul. Maybe disappointment. I mean, in dealing with North Korea. Il est peut-être déçu par rapport à la façon dont on traite de la question de la Corée du Nord. Mais il nous a parlé de cette question déjà lorsque nous étions à Washington ensemble. Je sais qu'il est déçu, qu'il est fatigué de la question de la Corée du Nord. Donc c'est pour ça qu'il a soulevé ces questions. Et il nous a fait part de sa sagesse par rapport à la façon de traiter de la Corée du Nord en utilisant donc la dissuasion et le confinement. Donc moi je suis parti à la retraite sans voir une résolution par rapport à cette question. Cependant mon esprit pense toujours à cette question. Lorsque j'ai dû traiter donc, du problème de la Corée du Nord, je me suis dit qu'il serait possible de parvenir à certaines négociations et on s'est dit que l'on pourrait peut-être même acheter le programme nucléaire coréen. Mais je pense que j'avais tort. Et je ne pense pas que l'on peut traiter du programme nucléaire de la Corée du Nord en leur fournissant donc une assistance économique. Donc pour essayer de résoudre ce problème rapidement, le problème, c'est que nous pourrions commettre les erreurs du passé. Mais nous avons assez de temps, je pense, pour faire quelque chose par rapport à cette question. Donc le confinement et renforcer les sanctions de la part des États-Unis, de la part de la communauté internationale, c'est ce qu'il faut faire. Dans le passé, les sanctions étaient imposées par les Nations Unies et n'ont eu aucun effet. Donc la Corée du Nord
Il s'est dit que les décisions prises par les Nations Unies n'aboutiraient à rien. Et maintenant, les choses ont changé, car il y a beaucoup de pays qui sont préoccupés dans la région. Donc maintenant, ça devient une question de sécurité mondiale. D'où la raison dont on discute de cette question pendant cette conférence. Donc le confinement et la dissuasion militaire de la part des États-Unis pourrait avoir un effet, je pense. Quant au rôle de la Chine par rapport à la Corée du Nord, le professeur Jia a expliqué que les attitudes ont changé par rapport au passé. Dans le passé, les Chinois pensaient toujours à la façon d'aider la Corée du Nord à surmonter ses problèmes. Alors que maintenant, la Chine se pose la question de savoir s'ils doivent continuer ou pas. Moi, j'ai une opinion plutôt différente. Nous avons introduit le troisième système. Il y a donc l'armée américaine qui est basée en Corée du Sud, et on s'est dit que c'était nécessaire pour que l'on puisse se défendre et défendre également les troupes américaines. Mais à cause de cela, donc la Chine a puni la Corée du Sud et a mis fin à toutes les relations, ce pendant un an. Ce qui a causé énormément de pertes au niveau économique. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes. Même la marque de voiture Hyundai a dû réduire sa production de moitié. Donc, d'énormément d'entreprises ont dû fermer la porte, ce qui a causé des dégâts de millions de dollars, sinon des milliards. Donc, maintenant, la Chine et la Corée du Sud ont conclu un accord pour mettre fin à cette situation. Donc, nous devrions reprendre nos relations d'antan. Alors, pourquoi est-ce que la Chine a puni la Corée du Sud au lieu de punir la Corée du Nord lorsque l'on a adapté nos mesures d'autodéfense? Ça, c'est ma question, c'est le grand point d'interrogation, et je m'arrêterai ici. Je vais vous poser une question sur un sujet complètement différent. Tout le monde parle de la Corée du Nord, mais La Chine est un problème beaucoup plus grand que celui de la Corée du Nord en Asie, car cela a des implications pour le reste du monde. Dans le reste de l'Asie, eh bien, le point de vue, c'est que, bien sûr, la Chine est un pouvoir croissant, et la Chine ne cache pas ses ambitions. It has implications across the region. Ceci a des implications pour l'ensemble de la région, par exemple en Inde. We have no basic conflict, but nous n'avons pas de conflit. What I call a civilization conflict between these. Il y a ce que j'appelle un conflit de civilisation entre les deux nations, entre nos deux nations. Mais nous avons développé des relations plus étroites avec le Japon, à cause donc du fait que la Chine, le pouvoir de la Chine s'accroît. Donc, toutes les nations sont en train de revoir leurs priorités. Et la montée de la Chine, en fait, est un des aspects les plus importants. Et donc, il y a des accords bilatéraux entre le Japon, l'Australie et l'Inde. L'Inde a changé un peu son approche maintenant, mais donc la montée de la Chine et la faiblesse des États-Unis ont un impact sur la façon dont les nations sont en train de revoir leurs priorités par rapport à leur situation. Donc la question c'est que se pose, c'est quel va être le futur dans les cinq années à venir après le prochain congrès en Chine.
So I think we have to be careful. Donc, il nous faut être prudent. Je ne parle pas ici de la perspective de la Corée du Nord, mais je parle de l'Asie du Sud-Est. La Chine et la Russie sont des facteurs très importants maintenant. Donc la Chine est un pouvoir en pleine croissance qui a un impact sur toutes les nations, notamment sur un pays tel que l'Inde. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ceci met fin à ce panel. Merci aux participants. Et nous allons avoir un panel des jeunes dirigeants.